Les chevaliers du zodiaque, chapitre du sanctuaire. Le petit groupe trouve Yoga dans un cercueil de glace dans la maison de la balance. Mais ils ne peuvent rien contre le cercueil de Camus, censé être indestructible même par plusieurs chevaliers. Soudain, l'armure d'or de la balance qui appartenait au vieux maître de Shiryu apparaît. Lance, nunchaku, épée, nunchaku à trois branches, tonfa, bouclier. En disposant de ses armes et de l'armure d'or de la balance qui font sa puissance légendaire, Shiryu parviendra-t-il à sortir Yoga de ce cercueil de glace? L'épée de la balance. Les armes de l'armure de la balance sont capables de détruire une étoile. Lance, nunchaku, épée, nunchaku à trois branches, tonfa, bouclier. Laquelle faut-il utiliser pour briser cette glace? Si je n'utilise pas la bonne, non seulement elle détruira la glace, mais elle tuera aussi Yoga. Entre toutes, je prendrai celle-ci. Cette épée! Je vais te sortir de là, Yoga! Reviens! Reviens à la vie, chevalier du cygne! Yoga! Tiens bon, Yoga. Il est aussi froid que la glace. Son cœur s'arrête! Il va falloir agir vite. Vous deux, continuez. Pas de temps à perdre. Ne vous inquiétez pas, je sauverai Yoga. D'accord. Nous allons continuer. Nous te laissons avec Yoga. Allez! Si je pousse mon cosmos au maximum, en faisant tout mon possible, je dois pouvoir amener Yoga à la vie. Mon cosmos aura sauvé une vie. Il n'aura pas été qu'un instrument de mort. Je suis prêt à y laisser ma propre vie. Yoga. Chevalier du zodiaque, aiguille écarlate Antares. As-tu jamais senti ton cosmos intérieur ?